Mais bouge! Ah, mais ce fail! Ah ouais, d'accord. C'est pas ora! Con los dos sacos de Et salut, c'est Multigamer, aujourd'hui on se retrouve pour encore du Elden Ring. Donc du coup, on se retrouve pour le mode Reforged d'Elden. Donc, j'avais déjà présenté ce mode avec le... Comment du coup installer ce mode. Donc du coup, nous sommes partis pour faire ce mode de A à Z. Donc, je vais faire un petit récap de qu'est-ce que ce mode propose aux joueurs et aux joueuses. Donc, c'est un mode qui nous permet de changer la difficulté de facile à hard. Le mode donne aussi la possibilité de refaire revivre les boss à la chaîne. C'est-à-dire que vous tuez le boss, vous revenez à la table ronde, vous avez une option qui permet de ressusciter les boss. Et le plus gros ajout du mode, c'est des flex. Là, on ne peut pas le voir parce que l'ATH se désactive quand on n'est pas en combat. Mais en fait, déflect ou déflexion, c'est si vous voulez, c'est ce qu'il y a dans Sekiro. Pour ceux qui ont joué à Sekiro, dans Sekiro, si vous appuyez au bon moment... le loup vous permet de dévier les attaques des ennemis. Et du coup, avec ce mode-là, ils ont repris le même principe qu'il y avait dans Sekiro. C'est-à-dire que s'il y a un boss ou un ennemi qui nous attaque, mais si on appuie au bon moment, ça nous permet de dévier l'attaque du boss. Et on va dire que ça va un petit peu le perturber. On va dire qu'il va perdre un petit peu sa stabilité. Et c'est ce qui va nous permettre très souvent de placer une attaque chargée sur chaque parade réussie pendant un combat. Donc, c'est pas si évident que ça, parce que dans Sekiro, ça marchait très bien parce que c'était pensé pour. Là, ça marche aussi très bien, mais il faut quand même s'adapter. C'est pas si simple que ça. Donc, là, on va passer le boss tuto, parce que c'est un boss tuto, on s'en fout. Et on se retrouvera après le tuto. Donc voilà, nous sommes partis du coup pour se rebouffer du Elden Ring. Parce que... quand vous voyez cette vidéo, je sais pas trop où ça en sera pour... Salt Sacrifice. En termes de publication de vidéo. Mais on a déjà fini le jeu. Donc... du coup, je suis retourné plus vite que prévu sur Elden Ring. Salt n'était pas très long, malheureusement. Mais heureusement qu'il y a les mods pour nous occuper, les esprits. Allez. Donc, comme d'hab, j'espère que le PC, vous n'allez pas l'entendre, parce que là, il ventile quand même pas mal. Après, il faut dire qu'il fait chaud aussi. Quelle idée de jouer en pleine chaleur. Ah là là, dis donc. Ah ben ouais, quand on est joueur, on est joueur. C'est une vraie drogue, ces conneries. Bon, mais voilà, nous y sommes, du coup, pour le mode Reforged. Donc là, j'ai téléchargé sa dernière mise à jour qui est sortie aujourd'hui, le 28 mai. C'est ça, on est bien le 28 mai aujourd'hui, hein. Je sais plus, alors là, je m'y perds. Mais oui, c'est le 28 mai, oui. Le 28 mai 2022. Et après, cette mise à jour ne me concerne pas réellement. Dans le sens où c'est surtout pour que ce mode-là, cette mise à jour de ce mode, soit compatible avec le mode qui permet en fait de jouer à des modes en ligne, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, ce mode-là a permis de débloquer, on peut jouer jusqu'à 5 ou 6 joueurs. C'est quand même bien pensé. Donc voilà, mais bon, moi ça me concerne pas. Moi je joue solo. Hein. Je suis un grand garçon. Mais j'avoue qu'un mode comme ça, ça pourrait être intéressant de le faire en coop. Ça pourrait être rigolo. Donc, le petit PNJ ici, il vend une pierre en plus.
Alors, j'ai envoyé un message au créateur du mod, il m'a toujours pas répondu. Ça permet d'affiliter des trucs, mais je pensais que c'était un ajout par rapport à la déflexion. Mais pas du tout. Ouais, que je rate bien vraiment la description quand on pourra l'acheter, parce que vous voyez, c'est quand même pas donné. Donc, nous sommes partis. Allez. Donc, comme d'hab, n'oubliez pas les petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, partagez aussi, ça c'est important, les mecs, enfin. Enfin, il faut y penser un peu. Alors, monsieur le soldat. Voilà, vous avez vu. Allez, tape. Aïe. Voilà. Tiac. Voilà. Oh, j'ai eu son épée. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais on ne jouera pas avec une épée, messieurs. Notre nom, c'est Sekiro. Sekiro. Ouais, ça, c'est classe. D'ailleurs, aussi, j'ai oublié de préciser. À chaque fois que vous allez taper ou dévier une attaque, vous allez avoir un petit regain de FP. Donc ça, c'est pas mal. L'attaque. Ah, d'accord, ok. Aïe. Aïe. Bah, si évident que ça. Alors, là-bas, il y a un soldat, on va aller le déglinguer. À la poise du mec. C'est pas évident, hein. Regarde, t'appuies, mais... C'est pas si simple. Allez, c'est parti. Alors, j'ai rajouté un petit fichier qui est compatible avec ce mode-là. Bon, on va passer la cinématique, on s'en fout. Alors, c'est pas compatible avec toutes les armes, j'ai plus la liste en tête. Mais en fait, ça permet, je crois que c'est compatible avec des dagues ou des trucs comme ça. Peut-être avec les katanas aussi, je sais plus. Et ça permet en fait de pouvoir sortir d'une animation d'attaque beaucoup plus vite. Exemple, je suis en train de taper, je suis en train de me fight contre Mergit. Je fais ça, mais je peux faire une roulade avant que l'attaque de mon attaque se termine en fait. Mais déjà, je sais pas si vraiment cela fonctionne, même si j'ai remplacé le fichier. Et deuxièmement, c'est pas compatible avec toutes les armes, donc c'est pas évident de vraiment comprendre à quel moment ça fonctionne. Mais bon, il faut tester quoi, voilà. Vous enchaînez un ennemi, et quand vous voyez que je me trompe de touche forcément, parce que j'ai joué à Salt récemment, où j'ai trompé de touche. Et en fait, ça permet, si vous vous battez contre un boss, et vous voyez qu'il va vous faire une attaque, vous êtes toujours dans une animation d'attaque, et bien il faut voir si vous arrivez à placer une roulade entre deux attaques, quoi, tout simplement. C'est pas évident. C'est pas si simple. D'ailleurs, on va s'équiper de torrent. On va allumer le... On va essayer d'attirer l'autre là-bas.
Comment? Putain, c'est pas simple, hein? Putain! Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a une latence là. Enfin, j'ai déjà plus de fiole, quoi, loul. Ah ouais. Non, calme-toi, mec. Attends, deux secondes. Laisse-moi me ressaisir là. Déjà, on va améliorer la fiole. Voilà. D'ailleurs, flasque. Putain, tous ces tutos, c'est insupportable! Putain, c'est bon quoi! C'est ça quoi, ça sert une fiole quoi! Ok. C'est pas évident! Ok. Ouais, c'est pas simple. Bon, après, je pense qu'une fois qu'on a le truc en tête, c'est bon, mais... c'est pas si simple. Bon, ça, on va le dégager. Il y avait pas un loup, là ? Si. Ah, crève-toi. Là, il y a un autre loup, là. Ça c'est pas mal. Ah non, en fait la barre elle se recharge toute seule. Vous voyez? Mais peut-être un petit peu plus vite si on tue un ennemi ou... Voilà. Excellent. Voilà, ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, on va récupérer la carte. Pour commencer. Hop. Trop tôt. Ah putain. C'est pas simple hein. C'est pas simple hein. Genre c'est pas gratuit quoi. C'est comme dans Sekiro hein. Pour le coup.
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, on va aller vers là-bas. Let's go. Et toi? Hop, on récupère ça. La petite pierre. Voilà. Parfait, les ruines. Oula, c'est fini. Ça marche. C'est un botch. Bah, c'est nouveau ça. Ah ouais. Ok. Ouais, je me disais parce qu'eux ils attaquent pas normalement. Il y a juste ceux qui peuvent exploser quoi, mais c'est tout. Bon, c'est le créateur du mod qui a modifié ça du coup. Ok. Petit changement. Dès le début. Oh, bien joué, saloperie. Ça peut être mal, lui, le dévier, lui. Putain, la vache. Pas simple, lui aussi, hein. Calme-toi. Ok, bitch. Pas si simple. Pas si simple, les gars. Je suis fou là, lui. Ok. Bon, bah après là, y'a rien d'intéressant. J'ai combien de pierres? 4? Hello. Ah vas-y, nique ta mère toi. Putain, mais bouge. Ah mais ce fail. Ah ouais,
D'accord. Ah, faites mort! Voilà, meurs. T'es fous-moi la paix. Putain, chaf, pourquoi je me trompe pour le poney, quoi? C'est pas possible, quoi. Ah, ok. À peine commencé, je commence déjà à m'énerver, ça promet. Ça promet, les gars, ouais. Alors. Donc, toi, que tu vends quoi, toi? Rien d'intéressant. Hein. Tu penses ça, ouais, pourquoi pas. On va peut-être revenir au début. Pour améliorer le cacane. Ouais, elle a pas assez. On va lui prendre ça. Si j'ai pas vraiment compris à quoi ça sert. Hein. Alors. Vous savez quoi? J'ai envie de faire un truc. Parce que j'aimerais bien récupérer une tenue, mais je sais pas si on peut la récupérer comme ça. On va essayer. On tamponne un peu du Benji là-bas. On va récupérer des armes, on va récupérer une arme bien particulière. Et j'espère la récupérer assez facilement. Déjà lui on va essayer de le dégager, je sais pas si je le tue, je sais pas si je récupère sa tenue. On va essayer. De toute façon il a pas d'armes, j'ai pas l'impression. Ça va, ça va. Putain mais pars. Mais pars. Salut. Ah non, il donne son katana, je suis blasé. Apparemment c'est un nou... ah, apparemment, c'est un autre katana. 18. Ouais, pourquoi pas. 18 et 24. Ah, c'est 24 en death quand même. Hein. 24 en dextérité. Ah, je suis blasé, il donne pas sa tenue, putain. Ah merde. Ouais, j'aurais dû me renseigner avant. Bon, bah, tant pis. Bon, j'ai compris. Ça, on va le mettre là parce que ça me fait chier la vie. Voilà, tac, là, voilà. Ouais. Ça me fait chier, l'ami. Alors, combien il fallait? 24, absolument, d'accord.
Excellent ça. Ça c'est stylé aussi. Bien. Ah merde, il m'en faut deux de plus. Est-ce qu'il n'y avait pas un PNJ qui en vendait? Ah, deux encore, merde. Il m'en faudrait deux de plus. Ah si, peut-être là, ouais. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Ça, c'est parfait. Plus 2. Plus 3, même, pardon. En plus 3, elle fait... Ah, elle tape... Elle fait pas si mal que... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette, ce truc-là. C'est vrai qu'elle... Parce que... Oui, parce que sans, j'ai pas encore les stats qu'il faut en force. Voyons, est-ce que je peux changer Ashes. What the fuck? Mais ça, c'est bizarre. Parce que ce qui a marqué en bas, Increase Damage Bold Type Enemy, c'était. Ça, ça se débloquait en achetant la petite pierre qui est ici. Là. Donc c'est-à-dire que du coup il a dû le modifier. Alors, est-ce que c'est compatible avec une autre cendre? Ah ouais. Du coup ça passe en magie, donc c'est vraiment pas pour nous. Attaque. Ah ouais d'accord, attaque consume les stamina. On a un bonus en B. Ce qui est pas dégueu. Et pourquoi je peux plus la porter? Ah d'accord, parce que je me suis remis à... D'accord. Ouais, faut tester sur un ennemi quoi. Bon allez, on va aller se faire Mergit. Pour la première partie, je vais pas faire une partie trop longue non plus. Ok. Allez. Go Mergit. Alors vous allez voir, il est... Il a été... légèrement modifié. Mais Mergot. Ah, Mergit, c'est bon. Mergit, c'est plus tard. Ah, je laisse la cinématique parce qu'elle est... Elle est cool. Let it be Margit.
Aïe, trop tôt. What, il m'a tué? Putain la vache. Ah ouais, il a boosté bien ses dégâts quand même, parce que... D'habitude, il te tue pas sur cette attaque. Bon, il fait beaucoup... Ouais, il fait mal à faisant cette attaque, mais quand même... Pas mal, pas mal. Aïe, putain, mais... Ah, c'est stylé, c'est stylé. Oh l'enfoiré. Oula oula, qu'est-ce qu'il fait là? Aïe 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 aïe. Mais pourquoi je passe à une main à chaque fois? Ça c'est pas possible. What? Mais what? Mais what the fuck quoi, qu'est-ce qui vient de passer là? Mais attendez, attends, y a un problème là. D'où j'arrive pas à esquiver? Ouais, putain, meurs quoi! Eh ben dis donc!
Ah ouais, quand il dit qu'il a retouché les hitbox, c'est pas des conneries, hein. Ah ouais. Ah ouais. Chaud quand même, hein. Allez, on va rejoindre la table ronde, puis on va couper la première partie. Un peu mou du cul, mais bon. Temps de comprendre tout ça. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici. Bien vénère quand même, mec. Ah ouais, il avait précisé qu'il avait modifié les hitbox des boss. Bah, les hitbox tout court, en fait. C'est pas des conneries quand même. Hein. C'est pas le même fight. Alors, en vidéo, je sais pas trop ce que ça donne, mais alors à jouer, ça n'a rien à voir. Allez, sur ce, je vous laisse ici. Portez-vous bien. Et surtout, vive!